Nouvelle session avec le SX10-2 châssis Jura Carbone sur un petit peu de rocher avec l'eau derrière. Donc on va essayer de pas se planter quoi. Il y a longtemps que je n'étais pas venu ici avec celui-là. Après la session sur la terre, comme vous avez vu, maintenant sur la roche. Depuis que je l'avais remodifié, j'étais pas revenu ici. Il n'y a pas beaucoup de rochers au bois de Vincennes. Bon, je rappelle dessus, j'ai un Fusion SE 1200. Les pneus, c'est des Irax Predator. Surgent RC4WD à gros déport. Ce qui me stresse à chaque fois, c'est qu'il y a l'eau derrière, quoi. Qui bascule vers moi, c'est pas grave. De l'autre côté, ça m'embêterait. Ben là, je roule sur deux roues, je suis en équilibre. Bien. Bien, bien. Bon, là par contre, ça va peut-être se compliquer. Oh, excellent. Ouais, bien. Ouais, nickel. Bon, on va faire demi-tour là.
ça va pas passer entre les deux, faut pas exagérer. Allez. On va essayer de se faire le retour maintenant. J'ai fait un sans faute à l'aller, mais quand on vient dans l'autre sens, c'est toujours différent. C'est jamais pareil. Là par contre, je suis pas sûr de pouvoir monter. Vous voyez, là c'est mort. Ouais, non, là c'est mort. Hein. Il faut se montrer réaliste aussi. Hein. Ce que je vais faire, voilà. Là, je l'ai aidé parce que j'avais pas trop le choix. Je suis même pas sûr. Ouais, non. Vous voyez, il passe dans un sens, mais il passe pas dans l'autre. C'est logique. Hein. Des fois, c'est carrément pas possible, quoi. Ou pas avec ce modèle-là. Hein. Faut voir. Si on a des grosses roues en 2-2, ça sera différent. Faudrait peut-être que je voie avec mon bulle. Ouais, faudra que je vienne ici. Là, je l'ai aidé une fois sur leur tour pour l'instant. Bon, est-ce qu'il va passer là ? Et dessus, j'ai un overdrive, ouais, j'oubliais. Et il est absolument pas lesté. C'est du light. Voilà, bien. Ah bah c'est cool, c'est cool. J'ai fait l'aller-retour, au retour je l'ai aidé qu'une fois. Bon là il faut pas chercher la petite bête, comme je l'ai dit, il y a l'eau derrière, hein, et puis là c'est quand même large. Bon bah voilà, c'est cool. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures entre bâche et scale. À bientôt.